Bonjour Simadi, j'espère que vous allez bien. Alors, petite question à mon jeu de 32 et puis après je regarderai avec le jeu de la triade. Y a-t-il une intention politique qui se cache derrière la crise sanitaire? C'est-à-dire, en d'autres termes, derrière toutes les mesures qui sont prises, y a-t-il une volonté de peut-être mettre en place un autre système? Voilà, donc la question est clairement posée. Et donc, on va demander déjà à mon jeu de 32 ce qu'il en pense. Donc là, j'ai fini de battre les cartes. Et je coupe. Alors, j'ai du 7 de pique, valet de trèfle. Alors, je vous dirai ce que je pense de la coupe après. Allez, ressorti encore le valet de trèfle. Ok. Alors, le 7 de pique, valet de trèfle, eh bien, c'est des intérêts qui sont là, qui sont sûrs. Donc, il y a la question d'intérêts. Alors, après, ça peut être des intérêts financiers ou des intérêts de toutes sortes, hein. Ce n'est pas forcément les intérêts financiers. Je retrouve cette carte-là en contre. Donc, ce sont les influences. Ici, il y a des influences qui sont nettement financières. Alors ici c'est intéressant parce que j'ai la dame de carreau qui n'est pas une bonne carte et qui me montre éventuellement des choses qui ne sont pas claires. Alors je vais essayer de mettre une carte sur le 7 de cœur et une sur le valet de trèfle. Ah, il y a des choses officielles ici. Alors là il y a des projets par rapport à des choses qui sont déjà un petit peu planifiées ici. Mais il y a du retard. Alors cette dame de carreau là est intéressante. Vous voyez qu'elle tourne le dos, hein? Donc il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des gens, hein? En tout cas, il y en a moins un. Il y a un homme qui est ici. Alors déjà, je dirais qu'il y a des, pour répondre à la question, c'est qu'il y a vraiment, vraiment des influences ici avec des projets. Alors des projets qui peuvent être financiers ou pas forcément, des projets de toutes sortes. Avec des gens qui ne sont pas très honnêtes, mais pour l'instant, eh bien, il y a alors un retard par rapport à ces projets. Donc il y a bien une question de projet, hein. Oh là, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc il y a bien une intention politique derrière cette crise. Oh, il y a des choses qui sont cachées ici. Bon, eh bien déjà, je dirais qu'on ne nous dit pas tout. Oui, on nous dit pas tout. Bon, a priori, ben, ce que je vois, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est planifié ici, qui peut entraîner alors soit un blocage ou soit en fait ce qui est planifié va mettre du temps. Mais ça passe vraiment par une volonté de changement, mais c'est un changement qui est encore caché, qui peut conduire à quelque chose qui s'arrête. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.